Donc, je me présente, je suis Josiane Cyr, je suis nouvellement permacultrice et fière citoyenne de la Valoise, donc ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir avec vous, de constater un certain engouement pour la permaculture. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le menu. Donc, dans ma présentation ce soir, je vais vous donner un peu les balises de qu'est-ce que c'est la permaculture. On va parler aussi de comment ça peut s'inscrire dans une démarche de transition. Je vais vous présenter les principes de base de la permaculture et quelques caractéristiques d'un système en permaculture, l'importance du design et comment l'adapter selon les milieux. Puis, je vais vous suggérer des exemples inspirants, dont un est inspiré de ma propre expérience. Alors, je veux remercier la caravane de m'avoir invitée à faire cette présentation. C'était quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps, donc je suis vraiment contente d'avoir l'occasion de présenter ça. Je veux aussi remercier mon professeur de permaculture, Wayne Roland, et puis aussi mon conjoint Luc Parent, qui m'a vraiment soutenue dans la présentation et la préparation de cette présentation. Donc, allons-y. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours très brièvement. Donc, moi, j'exerce la profession de nutritionniste depuis maintenant 29 ans. J'ai été entrepreneur, donc 17 ans en pratique privée. Je travaille maintenant dans le réseau public depuis maintenant 11 ans. Et j'ai découvert l'idée de la permaculture en 2018. Je ne savais pas du tout que ça existait avant ça. Et ça m'a tellement emballée qu'en 2019, je me suis inscrite à un cours, la formation cours de design écologique en permaculture avec Wayne Roland. C'est un cours de 72 heures, mais dans la formule que Wayne propose, c'est 5 fins de semaine étalées sur 5 mois. Et évidemment, il y a beaucoup d'heures en plus qu'on doit donner pour les lectures, les visionnements, etc. Et depuis que j'ai complété cette formation-là, j'avais vraiment une idée fixe, c'était de faire connaître la permaculture parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et ont une idée incomplète ou partielle de la permaculture. Alors, c'est ici où je pose fièrement avec mon professeur. Donc, si on avance maintenant, mon but, avant toute chose, c'est de vous contaminer. Alors, on est en pleine pandémie, alors ça peut faire peur un petit peu les virus, mais moi, je veux vous contaminer avec le permavirus. Donc, j'ai envie que vous soyez tous porteurs et hautement contagieux. Alors, n'hésitez pas à répandre le virus de la permaculture parce que c'est vraiment quelque chose qui est inspirant et qui donne envie de s'y mettre. Alors, qu'est-ce que c'est la permaculture? Comment on pourrait définir ça? Alors, est-ce que c'est une technique de jardinage, une méthode pour régénérer les sols, une approche inspirée de la nature ou un concept holistique d'aménagement du territoire? Alors, moi, je vous dirais que c'est toutes ces réponses et encore plus. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans ça. Ce n'est pas quelque chose qui se définit facilement. Donc, c'est vraiment une approche holistique. C'est ça qu'on doit retenir. On peut même dire que c'est une manière de voir le monde. Alors, ça touche à beaucoup de sphères de notre vie, que ce soit au niveau de la société, de l'énergie, des bâtiments, du transport, l'agriculture ou l'économie. Donc, ça peut intégrer beaucoup, beaucoup d'aspects au niveau social, mais aussi dans nos sphères familiales également. La définition qui, moi, je trouve, résume le mieux en une phrase, qui est quand même tout un défi, c'est celle-ci. Alors, la permaculture est une démarche de conception éthique visant à construire des habitats humains durables en imitant le fonctionnement de la nature. Et ça, c'est Bill Mollison qui a produit cette définition-là. Et on peut dire que Bill Mollison est quand même quelqu'un de bien placé pour définir la permaculture, puisque c'est un des pionniers, un des fondateurs, en fait, de cette approche-là. Alors, lui et son élève David Holmgren ont été vraiment les piliers de cette méthode. Donc, ils ont débuté ça dans les années 1970. Alors, ils ont constaté, entre autres, évidemment, une utilisation malsaine des ressources de la planète et une utilisation, je dirais, abusive. Et eux, ça les préoccupait parce qu'ils voyaient que ça ne pouvait pas durer éternellement. Et ils ont commencé à réfléchir à comment on pourrait créer une approche qui est plus respectueuse des limites de la planète.
Donc, ils ont beaucoup observé la nature et son abondance et se sont demandé comment on peut recréer cette abondance-là de façon volontaire, donc en établissant des systèmes ou en mettant en place des systèmes. Alors, ça a été un peu inspiré par les méthodes agricoles ancestrales. Donc, ils se sont inspirés des peuples, je dirais, plus qui avaient des modes de vie plus traditionnels. Et leur but, dans le fond, c'était vraiment de créer des systèmes qui étaient le plus autonomes possible. Autonomes en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes d'autogestion, finalement. Ils ont produit d'ailleurs un livre qui est vraiment une référence dans le domaine. Donc, le premier livre de permaculture. Et depuis, ils en ont produit plusieurs autres. Donc, il y a de plus en plus d'écrits sur la permaculture. On en trouve, même, je dirais, un grand nombre, je pense qu'il y en a au-dessus d'une centaine à la Bibliothèque de Montréal et un peu partout. Alors, pourquoi la permaculture? Donc, qu'est-ce qui fait que ça a germé dans leur esprit, disons, cette approche-là? Bien, en 1972, il y a un rapport du Club de Rome qui s'intitule Halte à la croissance, donc qui faisait vraiment état des enjeux déjà qu'on soulevait à l'époque au niveau de l'accélération de l'industrialisation, au niveau de la croissance forte de la population mondiale. Évidemment, les problèmes de malnutrition dans le monde, c'était très présent encore à ce moment-là. L'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, donc on les utilisait de façon tellement, disons, importante que c'est comme si ça allait toujours exister. Puis, ils ont aussi constaté qu'il y avait déjà une dégradation de l'environnement. D'ailleurs, le fameux Club de Rome a produit ce graphique qui a été repris par la suite pour constater qu'on est effectivement en train de réaliser un peu les pronostics qui avaient été faits à l'époque. Donc, on est disons, on n'est pas en bonne voie là, pour maintenir une planète saine et une situation idéale dans le monde. Donc, comment la permaculture peut-elle s'inscrire dans une démarche de transition? C'est sûr que quand on entend le discours des écologistes, on peut constater que c'est souvent pessimiste et je pense avec raison. On a raison de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, puis qu'on est dans la mauvaise direction, on est au bord du précipice et on est en train de tomber dedans. Mais en même temps, ça prend une direction parce que si on a seulement le côté pessimiste, on ne sait pas vraiment vers quoi se diriger, alors que si on a quelque chose, un but, ben on est capable d'après ça d'agir en fonction de ce but-là. Alors, quelqu'un qui disait à un moment donné, la meilleure façon d'atteindre un objectif, c'est d'en avoir un. Donc, vers quoi on veut aller, comment on peut vivre heureux et en santé dans les limites de la planète? Et comment on pourrait créer un nouveau paradigme pour pouvoir laisser tomber l'ancien modèle? Donc, ça prend un nouveau modèle pour laisser tomber l'ancien. Et moi, personnellement, je trouve que la permaculture illustre très, très bien ce que pourrait être ce nouveau modèle. Donc, tout débute avec une vision. Alors, on peut se permettre de rêver. Donc, les principes de base de la permaculture, alors il y a des fondements éthiques et des principes, en fait, qu'on va détailler un petit peu plus. Donc, les fondements éthiques, il y a tout d'abord être attentif à la nature. Je pense que ça fait vraiment contraste avec la façon dont le monde est dirigé actuellement. On va aussi être attentif aux humains, donc on va prendre soin des humains. Et en fin de compte, on va aussi prendre seulement ce dont on a besoin et redistribuer les surplus. Alors, c'est un tout autre, disons, point de départ de ce que pourrait être une nouvelle façon de vivre. Alors, je pense que c'est assez parlant. Maintenant, j'ai repris les 10 principes de Bill Mollison et je vais élaborer un petit peu dessus parce que je trouve qu'ils sont vraiment, disons, ils décrivent bien qu'est-ce que c'est la permaculture. Donc, on va se pencher sur les emplacements relatifs, comment on positionne les éléments dans notre système. Chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction importante est assurée par plusieurs éléments. On va parler d'efficacité énergétique, de ressources biologiques, des cycles énergétiques, de création de petits systèmes intensifs.
Comment on peut favoriser et accélérer les successions naturelles? Comment on peut favoriser la biodiversité et les effets de lisière? Alors, j'enchaîne avec le premier, donc les emplacements relatifs. Alors, quand on design ou on aménage un projet en permaculture, l'emplacement de chaque élément est super important. Donc, il faut vraiment bien choisir parce que, dans le fond, on ne veut pas faire des erreurs. Par exemple, placer la maison dans un endroit où, finalement, à tous les printemps, c'est inondé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, c'est qu'on veut que les éléments puissent coopérer entre eux et se rendre des services. Alors, je prends l'exemple du poulailler dans la serre. Donc, il y a une ferme dont je vais parler un petit peu plus loin dans ma présentation qui s'appelle la ferme du Bec-et-Loin. Eux, ils ont eu cette idée-là de mettre le poulailler dans la serre parce que ça avait plusieurs avantages. Entre autres, les poules produisent de la chaleur, ce qui aide les plantes à pousser. Produisent aussi des fientes qui deviennent un fertilisant et ils vont ensuite débarrasser la serre de différents insectes ravageurs qui pourraient nuire aux cultures. Et en même temps, bien, dans la serre, ils sont à l'abri puis ils ont accès à tout ce qu'ils ont besoin en termes de nourriture. Alors, c'est un exemple qu'on peut donner. Donc, on va souvent parler de la poule parce que c'est comme une espèce de mascotte en permaculture, la poule. Donc, chaque élément remplit plusieurs fonctions. Alors, l'exemple de la poule est parfait. Donc, la poule va retourner le sol, elle va manger des insectes, elle va fertiliser, elle va produire des œufs, elle va produire de la viande, elle va produire des plumes, elle va aussi réduire les déchets organiques. Donc, on peut amener facilement nos épluchures de légumes ou de fruits aux poules et ils vont les manger. Elle produit de la chaleur, etc. Donc, une poule remplit plusieurs fonctions. Donc, c'est quelque chose, un élément qui est vraiment intéressant dans un système en permaculture. Et de la même façon, chaque fonction importante va être assurée par plusieurs éléments. Donc, par exemple, pour la production de chaleur, on peut avoir une serre. On peut aussi mettre des pierres dans certains aménagements et les pierres sont une masse thermique qui va accumuler la chaleur du soleil et la redistribuer. Donc, ça va créer un petit microclimat autour des pierres. Évidemment, notre poule qui est aussi une bonne productrice de chaleur. On peut aussi aménager des brise-vents. Donc, si on a des parcelles et puis qu'on veut les protéger du vent, on va mettre des brise-vents et ça va aider à, disons, moins disperser la chaleur par le vent. Alors, ça va créer aussi un microclimat. Et l'eau peut être également une bonne façon de produire de la chaleur, de un, parce que c'est une masse thermique, et de deux, parce que si on fait certains aménagements, par exemple au bord d'un étang, ces plantes-là vont bénéficier des reflets du soleil dans l'eau, donc ça va aussi faciliter la production, même dans des milieux qui seraient plus froids. Alors, en termes d'efficacité énergétique, on divise généralement un espace en permaculture en différentes zones. Donc, plus on est présent et actif fréquemment dans un endroit, et plus ça va se rapprocher de la zone zéro. Donc, la zone zéro, c'est la maison, c'est là où on habite et où on est le plus souvent. Maintenant, quand on sort de la maison, on va se rendre dans la zone 1. Pour, par exemple, aller au potager, aller nourrir les poules, aller mettre des choses dans le compost. Donc, on ne s'éloigne pas trop parce que c'est des activités qu'on va faire plusieurs fois dans une journée. Ensuite, la zone 2, ça va être plus le verger. Alors, là, on y va un petit peu moins souvent. On va garder aussi certains animaux comme les cochons. Ensuite, dans la zone 3, on a plus une zone agricole, donc on va produire plus des céréales, des aliments à, disons, à plus grande échelle. En zone 4, on va avoir des ressources boisées. Et en zone 5, on va garder une réserve naturelle, c'est-à-dire une zone qu'on garde sauvage, donc on ne va pas toucher à cette zone-là. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec la permaculture. Bon, évidemment, les zones sont rarement placées dans la façon que c'est illustré, c'est-à-dire que ça peut très bien être, disons, une forme complètement différente de ce que vous voyez là, donc selon le terrain et l'emplacement qu'on a. Donc, évidemment qu'on veut utiliser le plus possible des ressources naturelles, des ressources biologiques et renouvelables. Donc,
On va favoriser l'utilisation de fumier, de compost. On va récupérer l'eau de pluie le plus possible. On va faire appel, par exemple, aux énergies éoliennes ou à l'énergie solaire passive. Donc, on veut vraiment que notre système soit autonome. Et pour ça, mais ça prend des intrants qui sont relativement déjà sur place. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de dogme en permaculture. C'est-à-dire que même si on veut faire appel le moins possible à disons, aux machines qui font appel à du pétrole. Par exemple, j'aurais pu mettre dans ma liste aussi la traction animale. Donc, même si on veut faire appel le moins possible au pétrole, dans certains cas, quand on fait un aménagement important, mettons comme là, on voit des terrasses à flanc de montagne avec des étangs, alors c'est sûr que faire ça à la main, ça prendrait un nombre de personnes et un temps incroyable. Donc, ça ne serait pas réalisable. Donc, on va le faire, on va prendre la machine, on va faire l'aménagement, mais on va le faire une fois, puis après ça va rester, ça va être durable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être constamment à refaire année après année, comme on voit en agriculture, la plupart du temps. Au niveau des cycles énergétiques, c'est-à-dire qu'on va essayer le plus possible d'avoir un système comme l'économie circulaire dans notre système en permaculture. Par exemple, on va considérer les déchets comme des ressources autant que possible. Donc, admettons que j'ai fait de la taille dans mes arbres fruitiers. Les branches que j'ai taillées, je peux les transformer en bois raméal fragmenté, le fameux BRF, qui va servir, par exemple, à pailler mes arbres ou à pailler mon potager. Donc, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée, tout est réutilisé autant que possible. Donc, on va vraiment faire beaucoup de ce genre de gestes-là. On va aussi faire beaucoup ce qu'on appelle le chop and drop. Donc, s'il y a des plantes qui poussent, mais qu'on ne veut pas nécessairement les garder, on va les couper avant qu'elles montent en graines, puis on va les laisser par terre tout simplement. Donc, elles vont juste enrichir le sol, servir en même temps de pays, donc ça va finalement garder notre système en bonne santé. Donc, on veut aussi évidemment créer de l'abondance, c'est-à-dire qu'on crée nos petits systèmes intensifs pour qu'ils produisent de la nourriture. On veut des comestibles. On veut aussi que ça soit abondant sur de petites surfaces avec le moins d'efforts possible. Alors là, c'est vraiment l'idée de concentrer nos efforts pour que ça devienne productif à moyen et long terme. Alors, c'est sûr que c'est plus d'ouvrage au début, une installation en permaculture, parce qu'on va, par exemple, planter des arbres, on va tracer des chemins, on va installer beaucoup de choses, mais on va installer surtout des plantes vivaces, donc qui repoussent toutes seules et qui vont se garder en vie année après année, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, c'est beaucoup moins de travail. Alors ici, on voit un exemple de forêt nourricière, donc où il y a plusieurs espèces de plantes, des plus petites aux plus hautes. Alors, il y a des arbres fruitiers, par exemple, qui sont plus grands, il y en a qui sont moyenne taille, il y a des arbres nains, il y a les arbustes, il y a les plantes au sol, il y a les plantes rampantes et il y a les plantes grimpantes. Donc, on voit un peu de différents exemples de ça. Alors, l'idée des systèmes en permaculture, c'est vraiment d'intégrer les éléments entre eux plutôt que de les séparer. Donc, en les mettant ensemble, il va se créer une synergie. Donc, les plantes communiquent entre elles beaucoup par les racines et il va y avoir vraiment une synergie qui va soutenir chacune des plantes. Alors, on va aussi favoriser et accélérer les successions naturelles. Donc, un exemple de succession naturelle, c'est quand il y a un incendie, puis après l'incendie, il y a certaines plantes qui commencent à pousser, par exemple les bleuets, puis ensuite, il y a d'autres types de plantes. Donc, ces plantes-là nous parlent, elles nous donnent beaucoup d'indications sur, par exemple, le type de sol, est-ce que le sol est acide, est-ce que le sol est compacté. Alors, je peux prendre l'exemple de ce qu'on voit ici, par exemple, donc, au fil du temps, on va voir que certaines plantes vont pousser, puis ensuite elles vont être remplacées par d'autres et remplacées par d'autres. Et finalement, on va avoir une variété de différentes plantes, mais
ça ne sera pas nécessairement les mêmes à la fin qu'au début. Moi, j'aime bien parler de l'exemple du pissenlit. Bon, le pissenlit, c'est le mal-aimé dans la nature. Tout le monde le combat. Et pourtant, le pissenlit peut nous rendre bien des services. Entre autres, il décompacte un sol compacté. Alors, à Laval, en tout cas chez moi, le sol est très, très argileux et très, très dur. Et bon, les pissenlits sont très heureux là-dedans. Et moi, je les garde, mes pissenlits. J'ai fait une petite entente avec ma voisine. Elle a décidé de ne pas mettre d'herbicide de cette année. Donc, j'ai pu manger mes pissenlits. Alors, vous voyez ma récolte ici. Donc, moi, je trouve ça délicieux quand on les cueille juste avant la floraison. Et les fleurs, ben, je les ramasse. On peut faire des choses avec les fleurs ou sinon, on fait juste les retirer. Puis à ce moment-là, il ne reste que la plante avec la racine. Puis généralement, ils ne vont pas refleurir beaucoup dans le restant de l'année, ce qui fait qu'on n'aura pas ces têtes blanches là, comme on voit. Mais moi, je trouve ça vraiment une plante très utile parce que c'est vraiment délicieux dans une salade. En tout cas, je vous invite à y goûter si vous avez accès à des pissenlits qui n'ont pas été arrosés. On veut aussi favoriser la biodiversité. Ça, c'est vraiment un élément super important parce que plus un système est diversifié en termes d'espèces, puis on parle autant d'espèces animales que végétales, plus il est résilient. Alors, la résilience, dans le fond, c'est vraiment la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Donc, un système qui peut être perturbé par différents éléments, que ce soit une tempête, une tornade, une inondation, un hiver particulièrement froid ou un été particulièrement chaud et sec. Plus on a une diversité dans notre système, puis plus le système est résilient, il va mieux s'en sortir. Et disons que certains arbres fruitiers ont plus de misère quand il fait très, très chaud et très, très sec. Par contre, il y a d'autres plantes qui vont mieux s'en sortir quand c'est ces conditions-là. Donc, si on avait seulement les plantes qui résistent pas à la chaleur, ben, on n'aurait pas grand-chose qui pousserait. Alors, en ayant une diversité, c'est plus, disons, on a plus de chances d'avoir une production. Alors, un dixième point qui est important, c'est les effets de lisière. Alors, comme je vous disais tantôt, Bill Mollison et David Holmgren ont beaucoup observé la nature. Et une des observations qui est vraiment parlante, c'est que dans les bordures, dans les lisières entre deux systèmes, ce qu'on appelle l'écotone, il y a plus de fertilité parce que c'est comme si on avait les espèces qui sont capables de pousser, mettons, dans un champ versus des espèces qui peuvent pousser dans une forêt. Alors, même chose avec le bord de l'eau. Donc, il y a des plantes de bord de l'eau qu'on trouve juste à cet endroit-là. Donc, c'est des zones particulièrement fertiles et productives. Puis, on va un peu jouer là-dessus. Donc, on va accentuer souvent les lisières sur un étang si on creuse un étang quelque part. Donc, on va essayer d'augmenter le relief, le pourtour pour avoir plus d'effet de lisière. Alors, si j'ajoute à ces 10 principes-là, ça vous a donné quand même quelques idées de c'est quoi les caractéristiques d'un système en permaculture, mais je vais en ajouter quelques-uns. Donc, on va utiliser principalement des plantes vivaces et très souvent des plantes indigènes, donc des plantes qui ont origine ici. Sur la photo de gauche, bien, vous voyez mon massif de topinambours. Alors, les topinambours, c'est originaire d'Amérique. Ça a été ensuite emmené en Europe, puis là, c'est en train de revenir ici. C'est les Européens qui ont ramené ça. Donc, c'est une plante qui produit des petits tubercules, un peu comme des pommes de terre, mais ça a un goût un peu d'artichaut. Donc, c'est vraiment délicieux. Et bien, ça ressemble à des bulbes de gingembre, finalement. Ça pousse très, très bien. Ça pousse tout seul. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup les entretenir. Tout ce que j'ai fait cette année, j'ai mis un peu de compost et de paillis au début de l'été. Puis là, ils sont devenus géants. Puis là, aujourd'hui, ils ont commencé à fleurir. Donc, c'est vraiment un succès cette année. Donc, on voit sur la photo de droite aussi une vigne qui pousse dans ma cour. Et bon, c'est une vigne qui. Ça a pris du temps avant qu'elle donne des raisins, mais là, celle est vraiment rendue très, très productive. Donc, ça, c'est des choses qui fonctionnent bien.
On va aussi, dans un système en permaculture, beaucoup tenir compte de la régénération des sols. On va justement utiliser des intrants organiques, donc comme on disait, fumier ou compost, parce qu'on croit qu'un sol vivant va produire beaucoup plus qu'un sol qui n'est pas vivant. En agriculture conventionnelle, on ne se préoccupe pas tant que ça du sol vivant. Le sol va servir plus comme un support pour mettre les semences, puis ensuite les engrais, puis ensuite tout ce qui va aider la plante à pousser. Alors qu'en permaculture et de façon générale en agriculture régénérative, on veut s'assurer que le sol est vivant. Donc, il y a de la matière organique qui, disons, décomposée par des bactéries, que les micro-organismes du sol sont vraiment très présents et aident les plantes à pousser. C'est un peu comme le microbiote intestinal des humains. Dans le fond, on est en train de découvrir que c'est important pour notre santé ça a été pourtant négligé pendant très longtemps. En permaculture, on va très peu travailler le sol et on ne va surtout pas labourer, on ne va surtout pas retourner le sol parce qu'on sait que les bactéries qui sont sous la terre, qui sont plus creux dans la terre, si on les ramène à la surface, ça va complètement perturber l'équilibre. Et la même chose, si on prend les bactéries du dessus ou les micro-organismes du dessus, puis qu'on les enfouit complètement dans le fond, ça ne sera pas optimal non plus. Donc, on perturbe l'équilibre du sol en faisant du labour. Et donc, c'est plutôt contre-productif. Alors, on va plutôt cultiver sur des buttes permanentes. Donc, on va se créer des buttes et on va essayer de ne pas les écraser, de ne pas mettre de poids dessus pour éviter la compaction. Et on va simplement ajouter du paillis, puis ensuite on va ajouter l'année suivante du compost ou du fumier pour enrichir. Donc on va toujours garder les mêmes buts. Une citation qui m'avait vraiment jetée par terre, c'est dans un livre qui est noté en dessous. Alors si on remettait 1% de matière organique dans les terres arables de la planète, on réduirait de 75% le CO2 accumulé depuis 200 ans d'ère industrielle. Alors, c'est quand même assez frappant. Donc, ça nous fait réfléchir à, ben oui, les changements climatiques sont en route, mais il y a peut-être une façon de renverser le processus, puis des approches comme celle de la permaculture pourraient contribuer à ça. D'ailleurs, c'est de plus en plus discuté dans les milieux, au niveau de l'environnement, l'importance des sols pour lutter contre les changements climatiques. Une autre caractéristique d'un système en permaculture, c'est ça, c'est qu'on va regrouper les plantes, on va former soit des guildes, c'est-à-dire un petit groupe de plantes qui vont être compatibles et qui vont travailler ensemble. C'est comme une mini forêt nourricière. On va peut-être avoir 8, 9, 10 plantes dans une guilde. Et l'idée, c'est qu'elles sont complémentaires. Donc, il va y en avoir au moins une qui est un fixateur d'azote, qui va chercher l'azote dans l'air et qui va le transformer en quelque chose d'utilisable par les autres plantes. Et on va avoir souvent aussi des plantes qui sont considérées comme accumulateurs de nutriments, donc qui vont permettre à d'autres plantes d'avoir ces minéraux-là qui sont difficiles à, disons, à obtenir dans le sol. Donc, on va aussi créer des forêts nourricières. Alors, on voit quand même assez bien sur l'illustration les différents niveaux de hauteur des arbres. Alors, il y a à peu près 7 niveaux en permaculture pour les forêts nourricières. Par exemple, les grands arbres, par exemple, les noyers ou les chênes qui produisent des glands comestibles. On va avoir des arbres de taille moyenne, des arbres nains, des arbustes, des plantes au sol qui poussent en hauteur. On va avoir des plantes rampantes et on va avoir aussi des plantes grimpantes. Une chose qui est importante à mentionner, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que les arbres sont capables de communiquer entre eux par les odeurs et par les signaux électriques et aussi par leurs racines. Et il semblerait qu'ils auraient une tendance à s'entraider entre eux. Il y aurait même une forme de mémoire. Donc, si dans une forêt, par exemple, un arbre est en difficulté, ben, des chercheurs ont vu que les arbres autour allaient fournir de l'aide. Par exemple, si une plante manque d'eau, les autres arbres autour vont lui amener de l'eau ou vont lui amener des nutriments qui peuvent l'aider à survivre.
Donc, c'est quelque chose de fascinant. Il y a un livre qui est paru là-dessus et ils ont même fait un film avec ça que j'ai écouté avec grand plaisir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on commence à peine à découvrir, mais qui nous en dit beaucoup sur justement la synergie entre les plantes. Donc, une démarche où on voudrait aménager un espace en permaculture, ben, ça va débuter par une observation. Donc ça peut se faire vraiment là pendant longtemps. On peut observer idéalement même pendant un an notre terrain qu'on voudrait aménager pour voir justement qu'est-ce qu'il y a là, c'est quoi le type de sol, comment se déplace le soleil, d'où vient le vent. On va observer aussi les plantes qui sont déjà là, mais on aussi les animaux, s'il y a des insectes, s'il y a des petits animaux. Donc, on va vraiment observer beaucoup et après ça, on va analyser tout ça, qu'est-ce que tout ça nous dit, avant de pouvoir concevoir notre projet. Ensuite, la mise en place et on va évaluer, puis au besoin, réajuster. Alors, tout ça avant de commencer à mettre en terre. Donc, c'est vraiment important, toutes ces étapes-là. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, le design en permaculture. Je vais y revenir de toute façon. Alors, les autres caractéristiques d'un système en permaculture, c'est qu'on s'inscrit dans le long terme. Le mot permaculture le dit d'ailleurs, culture de la permanence ou culture permanente. Donc, on veut vraiment que nos aménagements soient durables. C'est pas juste pour une année ou 2 ans, mais c'est vraiment dans le long terme. En permaculture, on parle des fois aussi de permaculture humaine, c'est-à-dire que le travail se fait beaucoup en coopération. Parfois des gens qui ont fait ça, qui ont étudié ensemble ou qui, peu importe, des amis aussi, peuvent lancer une invitation pour faire un permablitz. Alors, on va créer, disons, on va, une fois qu'une personne a designé un espace, bien, les gens vont se rassembler pour faire l'implantation des arbres, par exemple. Il va y avoir aussi une optimisation, comme vous avez vu tantôt, quand je parlais de petit espace avec le moins d'efforts possible et le maximum de production. Donc, on va vraiment optimiser le plus possible tout l'espace qu'on a, toutes les ressources qu'on a. Les interrelations, c'est vraiment important aussi. Tout est interrelié et on veut évidemment une diversité. On va favoriser le plus possible cette diversité-là, même souvent en ajoutant des massifs de fleurs qui vont être favorables aux insectes pollinisateurs, par exemple. Donc, l'importance du design en permaculture. Donc, on peut dire que c'est la base de la permaculture. Donc, toute cette réflexion, toute cette observation et aller chercher les bons éléments, les mettre au bon endroit, c'est vraiment ça qui distingue la permaculture des autres approches. Alors, pour y arriver, évidemment, on doit tenir compte des atouts et des contraintes de notre site. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites d'une certaine façon, mais on doit vraiment adapter notre design à l'endroit. Donc, ce qu'on veut, c'est développer un système qui est productif, qui est autonome, qui est diversifié et qui est surtout résilient. Donc, un bon design va tenir compte de plusieurs éléments. Donc, par exemple, on va tenir compte du relief du terrain. Alors, souvent, on va aller chercher les courbes de niveau. On va regarder comment est le dénivelé d'un terrain. On va regarder l'ensoleillement. Il y a des outils sur Internet pour aller chercher la course du soleil selon les saisons. Donc, on veut le savoir en été, mais aussi en hiver. La direction et la force des vents. Même chose, l'été et l'hiver, ça peut varier. Donc, on va aller chercher ces informations-là. On va essayer aussi de faire des tests de sol. On va essayer d'identifier le type de sol. Est-ce qu'on a plus un type de sol sablonneux ou argileux, par exemple? L'hydrographie, c'est vraiment important. Donc, d'où vient l'eau? Par où elle passe? Est-ce qu'on peut la retenir? Comment on pourrait la retenir sur notre terrain pour qu'elle nous aide? Et on va aussi regarder la végétation qui est déjà présente. Puis j'ajouterai à ça aussi les bâtiments environnants, parce qu'un bâtiment en plein, disons, du côté ouest, mais ça peut être un brise-vent qui est déjà là. Il peut y avoir aussi de l'ombre qui est faite par les bâtiments. Donc, c'est important d'en tenir compte. Et donc,
tous nos choix d'aménagement doivent tenir compte de ces facteurs. C'est vraiment important. Donc, le but, en fait, c'est sûr que c'est d'éviter des erreurs qui peuvent être coûteuses. Alors, si on fait des mauvais choix, on peut s'en mordre les doigts pendant un bon bout parce que ça coûte cher quand même de construire une serre ou une maison ou un hangar si on a mal choisi l'emplacement. Donc, ce n'est pas facile à déplacer ces choses-là. OK. Alors là, je vous montre un exemple de design que j'ai réalisé avec mon collègue Sonny Steve Jalbert, qui était mon partenaire de cours de permaculture. Donc, on avait simplement aménagé un terrain vague. Donc, c'est un projet qui n'était pas nécessairement fait pour être réalisé, mais on a pris quand même l'exemple de cet endroit-là et on a aménagé un espace vraiment... En tout cas, moi, je l'imagine paradisiaque, avec une très grande diversité de plantes, d'arbres, avec un plan d'eau, avec un genre de petit agora, avec toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment un beau projet. Alors, j'arrive maintenant aux exemples inspirants. Donc, un des exemples le plus souvent cité et qui est vraiment bien connu en Europe et surtout en France, c'est la ferme du Bec-et-Loin. Alors, c'est un couple qui a créé cette ferme-là. Lui était marin à l'origine et elle était avocate. Donc, des gens qui n'étaient pas du tout des agriculteurs et qui ont décidé par passion d'aménager un petit terrain. Je pense que c'est quelque chose comme 1,5 ou 1,2 hectares, donc c'est vraiment pas grand. Et ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire avec ça, donc aménager en permaculture et de non seulement d'en vivre, mais même de faire vivre d'autres personnes. Donc, ils ont des employés et ils ont pu faire la démonstration que c'est un modèle qui était rentable. Donc, c'est possible de démarrer une ferme en permaculture et d'en vivre. Donc, leur micro-ferme eut la qualité d'expérimentale parce qu'ils font, entre autres, beaucoup d'expériences et des partenariats avec des chercheurs. Donc, les chercheurs ont pu justement démontrer l'efficacité de leur méthode et démontrer différentes choses. Alors, c'est une source d'inspiration. Il y a beaucoup de projets en Europe et surtout en France qui s'inspirent de ce modèle-là. Donc, 80% des nouveaux projets en agroécologie en France sont inspirés du modèle de la ferme du Bec-et-Loin. Alors, il y a des très belles vidéos. Si vous allez sur YouTube, il y a des très, très belles vidéos qui racontent où ces deux personnes-là racontent leur expérience et ça donne vraiment le goût. Alors, bien évidemment que moi, après que j'ai fait mon cours de permaculture, j'avais envie d'essayer des choses, j'avais envie d'implanter des trucs dans ma cour. Alors, je vous ai fait à gauche la liste de toutes les plantes. Bien, toutes les plantes, je pense que j'en oublie, là. Je suis sûre que j'ai encore bien des choses à rajouter, mais l'essentiel des plantes qui poussent dans ma petite cour, donc une petite cour lavalloise de à peu près 700-800 pieds carrés, là. C'est vraiment pas grand chez moi, mais on peut mettre beaucoup de choses dans un petit espace, donc entre autres une vigne qui est là depuis une douzaine d'années. Cette année, j'ai acheté un pommier colonnaire qu'on voit sur la photo de gauche. Alors, c'est un pommier qui pousse en hauteur, donc il prend très, très peu de largeur. Alors, ça fait très bien pour les petits espaces. C'est même un genre de pommier qu'on pourrait avoir sur un balcon, là, tellement il reste petit. Il y a aussi un prunier qu'on ne voit pas sur la photo qui est en avant de la maison, un poirier nain, un abricotier. Si j'utilise, attendez, je vais essayer d'utiliser les outils... Pour vous montrer, je vais me trouver un pointeur. Voilà. Alors ici, on le voit, l'abricotier, je l'encercle. Ici, on a un argousier. Ça, c'est l'argousier femelle. C'est celui qui produit des fruits. Puis l'argousier mâle, il est tout petit, il est caché derrière à peu près ici. Donc, ça prend les deux pour avoir des fruits. Cette année, ils n'ont pas produit parce que je viens de les planter, là, mais je m'attends que peut-être d'ici un an ou deux, ils vont commencer à produire. J'ai aussi beaucoup de framboisiers. Ça, je les avais déjà, mais j'en ai ajouté une autre variété, les framboisiers jaunes. Cerisier tomentosa, que certains appellent ragouminier.
C'est des tout petits cerisiers arbustifs. Ensuite, il y a des groseilliers, des gadeliers, des asperges, des fraisiers alpins. On voit bien les fraisiers alpins ici, là, juste en bas du pommier colonnaire. Il y en a. Puis, je les ai plantés cette année. Puis là, ils ont rampé presque jusqu'à l'autre bout du jardin, donc sur à peu près 7-8 pieds. Donc, c'est incroyablement, disons, rampant. Des fines herbes, plusieurs variétés de fines herbes, de la consoude, des oignons égyptiens, qu'on appelle aussi les oignons marcheurs. Donc, les oignons produisent des bulbilles qu'on a juste à remettre sur le sol à la fin de l'été. Et on peut manger l'oignon qui est dans la terre. Puis, les bulbilles vont passer l'hiver au sol, ils vont germer. Puis, au printemps, on a juste à les enfouir et ils vont produire des oignons. Donc, c'est vraiment super. Et les topinambours que vous avez vus sur une autre photo. Y a aussi le potager que je vais vous montrer un petit peu plus loin. Excusez. Donc, on enlève ça. On dirait que ça ne veut pas s'en aller. OK. Bon, OK. Alors, là, je vous présente ma vigne qui a été plantée il y a une douzaine d'années. Au départ, l'idée, c'était un peu de cacher les fameuses clôtures frost qu'on a presque dans toutes les cours lavalloises. Mais finalement, année après année, elle a vraiment pris de l'expansion. Il faut vraiment la freiner parce qu'elle est très envahissante, elle s'en va partout. Et ça produit d'excellents raisins. Donc, vous voyez les raisins de cette année qui sont en train de mûrir. Et là, je vous montre une récolte d'une année antérieure où j'avais ramassé à peu près 25 livres de raisins. Et ça, maintenant, année après année, c'est ce que je ramasse dans ma vigne, dans ma petite cour de 700 pieds carrés. Alors, c'est quand même intéressant. Ça, c'est mon nouveau potager que j'ai aménagé cet été. Bon, là, évidemment, moi, j'ai pris cette photo-là, je pense que c'est au début juillet, donc on était rendu à peu près la sixième canicule. Alors, c'est sûr que c'est très sec, mais j'ai arrosé mon potager religieusement pendant toute cette période-là. Et j'avais le goût de m'amuser. D'abord, j'ai fait le potager avec la méthode qu'on appelle en lasagne, c'est-à-dire qu'on met des matières organiques comme des feuilles mortes, des branches, d'autres feuilles mortes, de la terre à jardin et du compost qu'on intègre un petit peu dans la terre. Et ça fait comme une butte. Puis cette butte-là, bien, est quand même assez fertile. Donc cette année, malheureusement, il y avait pénurie de terre à jardin dans les centres jardins. Comme vous pouvez vous en douter, il y avait une ruée vers les centres jardins cette année. Alors, je n'ai pas pu mettre autant de terre que j'aurais voulu. Mais ça a été quand même un bon succès. J'ai eu disons, une belle production pendant tout l'été. J'ai presque pas acheté de salade parce que je pouvais me faire mes salades avec tout ce qui poussait là. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. J'avais d'ailleurs démarré mes semis, dans la maison au mois d'avril. Alors, c'est vraiment une belle expérience et ben, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Je vais remettre de la terre à jardin puis on verra bien ce que ça va donner. Donc, j'ai eu aussi un ami qui m'a donné des semences, ce qui fait que j'ai testé plein de choses. En tout, j'avais 21 sortes de légumes et bon, certains ont bien fonctionné, d'autres moins. Alors, ça a été, disons, une belle source d'apprentissage pour moi. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que une démarche en permaculture, c'est comme un peu un chemin qui se construit en marchant. Donc, c'est sûr que d'aller chercher des formations, ça aide vraiment à mieux comprendre et à mieux concevoir les espaces. Mais on cesse jamais d'apprendre. Donc, moi, c'est sûr que j'ai une base, mais je vais continuer à me former, à lire, à échanger, à tester, à faire des projets. Alors, c'est ça ma démarche actuellement. Donc, vous en avez vu quelques éléments. Évidemment, après avoir bien travaillé, ben, c'est permis de se reposer. Donc, vive le moment de repos après avoir travaillé fort. Et voilà. Alors, je suis prête à prendre les questions. Thank you.